Bonjour, c'est Claire Benrivard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr, comme souvent, presque tout le temps, presque tous les mardis, autour du Dear Jane. Et alors, on est lundi, fin d'après-midi, et je viens juste de regarder, on est à 700 membres sur le groupe Facebook à ma griffe Art Dear Jane en français. Donc, c'est énorme. Et en plus, c'est vraiment un groupe très actif. Merci beaucoup à toutes les personnes qui non seulement postent leur blog ou leur Dear Jane, parce qu'il y en a qui sont très 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 avancés, d'autres qui l'ont déjà terminé, et mais aussi pour tous les commentaires, toute la bienveillance. C'est vraiment tout ce que j'aime et tout ce que je recherchais à travers ce challenge du Dear Jane. Alors un grand grand merci à vous toutes et vous tous qui participait activement à l'animation et de la chaîne YouTube et du groupe Facebook. C'est vraiment superbe. Et je n'arrive vraiment définitivement pas à savoir quel Dear Jane je préfère. Un Dear Jane à l'ancienne, avec des chutes de tissu, un Dear Jane avec des batiks, un Dear Jane un peu monochrome, enfin un peu bicolore. Par exemple, dans les tons de bleu et de blanc ou de beige. Je trouve que tous les Dear Jane ont beaucoup de charme, chacun à leur façon. Et c'est vraiment plein, plein, plein de plaisir. Donc, un grand, grand, grand merci. Aujourd'hui, on se retrouve avec un bloc qui est moyennement difficile. C'est le D9. Il est pas, il me semble pas difficile. Je vais le faire, évidemment, je suis toujours en train de perdre des papiers. Je vais le faire empiécé. Il ne me semble pas spécialement difficile. Il n'y a pas de petites pièces, donc ça devrait aller. Eh bien, place au tutoriel. Alors, ce bloc D9, il est en beige et avec un tissu coloré comme d'habitude. La façon dont je vais le construire, je pense, ça va être d'abord de construire ce carré composé de trois rangs, finalement. Ensuite, je vais composer ces deux angles-là, donc complètement. Le petit triangle, le rectangle, le petit triangle, les deux, trois petits triangles et le carré pour celui-là et celui-là. Et ensuite, je vais construire ça, cet angle-là. Donc, une fois qu'on aura construit le carré, on pourra venir mettre ces deux parties-là. Et ensuite, il suffira de venir ajouter les deux grandes parties qui sont là et là. Bien sûr, je l'ai découpé, enfin je l'ai imprimé sur un papier un petit peu plus rigide que d'habitude et on va pouvoir procéder au découpage. Bien sûr, il y a les quatre bandes à ajouter autour à la fin. Je verrai parce que sur le modèle, les bandes sont beige, enfin sont dans le même tissu clair. Moi, c'est du beige. Et en fait, autour, on a toujours une bande beige. Donc peut-être que je vais m'autoriser à faire la bande en couleur. Ah oui, évidemment, j'ai oublié de noter avant. Qu'est-ce qui est en couleur? Ça et ça, c'est identique. J'ai pas besoin de découper. Et les bandes, ben, on verra plus tard. Je vais quand même noter ce petit là, on l'a donc quatre fois, ce carré là, je vais mesurer mais je pense que tous ceux-là sont les mêmes. Un,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc celui-là, on l'a 8 fois. Ces triangles, ils sont pareils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, on l'a 4 fois. 1, 2, 3, 4 pour celui-là. Et 2 pour ce beige-là. Ça, 1. Normalement, je devrais tout avoir. Je vais commencer par la forme centrale, qui est donc celle-là. Un beige. Un beige comme ça, un couleur de chaque côté. Et ce rang-là, on le répète 2 fois pour venir le mettre là. Donc j'ai déjà fait les découpes de cette partie-là. Je m'occuperai des angles ensuite. Comme tissu, j'ai choisi bien sûr le beige habituel et ce tissu-là pour la couleur. Donc je vais déjà découper 2 carrés. Alors il y en aura plus à découper. Mais je vais procéder par ordre parce que je sens qu'il y a beaucoup de petites pièces et que après, je vais certainement me mélanger. Je vais faire la démarcation à un quart de inch. Ça, c'est là où je couperai le bout du tissu. Voilà 2 et j'en fais 2 autres pour l'autre côté. On a les 4 carrés de couleur. Et maintenant, il nous faut un rectangle et un carré beige. Donc, si on récapitule, on a notre carré central. Les deux carrés, enfin notre rectangle central, les deux carrés qui vont venir se positionner là, et les 4 carrés en couleur qui vont venir se positionner là et là. Donc la première chose à faire, c'est ça va faire une forme avec 3 rangs. Hop. Donc on va venir coudre ces deux-là ensemble. Ici, on va venir ajouter celui-là, faire pareil là, avant de tout rejoindre ensemble. C'est un petit bloc et je vais coudre d'un bout à l'autre. Je vais certainement repasser couture ouverte, mais ça c'est pas très important pour l'instant. Et on va venir coudre le deuxième de la même façon.
tu as fait le premier bloc à venir mettre là. Je vais faire la même chose avec celui-là et je repasse. Donc voilà les trois petites pièces cousues ensemble. Maintenant, on va venir les rattacher ici et ici au rectangle en procédant exactement de la même façon. Quand j'ai une zone un peu plus grande, je mets plus d'épingles pour m'assurer que je reste bien alignée. Et pareil, je l'écoute sur toute la longueur. Donc voilà le centre terminé. Donc maintenant, je vais ajouter cette partie-là, donc sans les deux petits triangles. Donc il me faut un rectangle de tissu coloré, un carré de tissu coloré, les deux triangles beige et le petit triangle beige. Donc voilà le rectangle de tissu coloré. Ça, c'est le tout petit beige qui va au-dessus, le carré de couleur et les deux triangles beige qui vont de chaque côté. Ça va pouvoir venir se mettre là et là. Donc ça, j'en ai besoin de deux. Et après, on en aura deux autres qui auront les triangles sur le côté. Donc je vais faire toutes mes formes pour faire les quatre angles. Et je reviens. Je viens de découper les quatre rectangles donc dans le tissu coloré et les quatre carrés qui vont donc venir se positionner au-dessus des quatre. Donc j'ai fait les quatre angles et je suis juste en train de vérifier. Et en fait, tous ces triangles-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ils sont tous de la même dimension. Partout. Donc il y en a 12. Je crois que tout à l'heure j'avais marqué 8 peut-être, 12. Et par contre celui qui fait l'angle il est plus petit et celui-là il y en a 4. Donc je vais découper ceux-là en tissu beige. Alors je viens de découper toutes les autres pièces pour donc faire ces parties-là, celles qui entourent. Celle-là. Donc je vais faire deux blocs, je vais les découper, ce sera plus facile. Donc je vais faire deux blocs comme ça, qui vont venir d'un côté et de l'autre. Et après, les deux mêmes, en ajoutant les triangles sur le côté. Donc là, j'ai tout fait, et j'ai fait les bandes qui vont faire le tour dans le tissu coloré. Donc, pour faire ces blocs, on a besoin d'une bande comme ça, d'un rectangle de tissu coloré, avec un carré coloré qui va venir au-dessus. On a besoin de deux triangles. Donc là, il y a les quatre petits triangles, et puis là, les quatre triangles un peu plus grands, enfin, les 12. Et donc, on a besoin de deux triangles. Donc, je vais découper deux triangles. Je les ai pas découpés comme ça, je les perds pas. Donc je vais coudre ces trois pièces là ensemble. Après, j'ajouterai le triangle et on viendra coudre ça là. Et je fais deux pièces comme ça. Je viens de finir ce bloc là. Qui va donc venir se coudre ici. Je vais faire exactement le même pour venir le coudre là. Donc voilà, donc j'ai fait les deux petits blocs là que je vais venir coudre ici et ici. Alors, peut-être plutôt ici et ici. Donc voilà, j'ai cousu les deux petits blocs de chaque côté. Maintenant, je vais faire exactement les mêmes blocs en ajoutant au bout les triangles. Et je vais venir les coudre là. Donc, une bande, un carré au-dessus, un triangle de chaque côté, petit triangle en haut,
et deux autres triangles ici. Donc, ces trois-là à coudre ensemble, ces trois-là à coudre ensemble et celui-là. C'est parti pour la couture et on fait deux blocs comme ça. Voilà, j'ai cousu les deux autres blocs et je vais maintenant venir les coudre ici et ici pour constituer donc le carré. Ce qui va être important là, c'est de bien faire correspondre ces coutures-là et celle-ci, c'est pas mal, ça correspond plutôt pas mal. Et vérifier que ça s'aligne bien. Là et là, là, ça s'aligne pas bien. Donc je vais redresser un petit peu pour voir comment je le positionne pour que je retrouve bien là cette notion de carré. Donc à la fois aligné là, couture ouverte pour moi c'est plus facile, et à la fois quand je retourne, quand je suis sur la couture, vérifier que je suis globalement pas mal aligné là. Et là, celui-là, il faut que je le couse comme ça, pour qu'il soit bien aligné. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il est plutôt pas mal. Pas parfait comme d'habitude. Ce que j'ai juste faire, c'est découper ce qui dépasse. Je vais le remesurer sur le livre. Ben, je suis bien. Oui, il est bien en dimension. Et ensuite, ce qui va rester à faire, donc, comme je le disais en début de vidéo, j'ai décidé de faire les bandes avec le tissu coloré et non pas. Donc, je vais venir coudre la première bande. Alors voilà le bloc des neuf terminé. Donc au départ pour le centre, j'ai repassé couture ouverte et puis après j'ai repassé vers l'extérieur. Alors c'était pas un bloc compliqué, mais c'est un bloc qui m'a pris pas mal d'heures. Je ne sais pas pourquoi, j'étais peut-être lente cette semaine. Pour autant, je le trouve, il n'est pas, il est. Et alors quand on le regarde, ben, il n'est pas parfait, hein, comme d'hab. Il n'est pas si mal. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce, j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à intégrer le groupe Facebook Amagriffe Art Dirgen en français, si vous ne l'avez pas encore rejoint, et à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau bloc. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.